douceur et surtout de faire des choses que vous ne pourriez pas faire seul faute de souplesse. Exemple, pour vous étirer les ischios, moi je le fais tous les soirs, ça prend 5 minutes. D'accord. Ok. Vous vous mettez, peu importe, tu vois là il va à 8, tu le mettez au 4 ou au 5, d'accord. Vous mettez votre pied dedans, la pointe du pied, pas le pied sinon c'est compliqué. Ok. On se couche sur le dos, les lombaires bien plaquées au sol. Ok. Et là on tire. Le temps, ok. Donc là, je suis par terre, là, je suis tendue, ok. Et on essaie d'amener un petit peu le pied vers soi. Ça doit tirer derrière. D'accord. Okay. C'est ta pointe de pied ou ton pied que tu ramènes vers ton visage? En fait, tu essaies de ramener ton pied, mais si ta pointe de pied sont un peu tendues. Tu vois, plus tu vas prendre la pied là, le dos, pas comme ça. Votre bassin, en fait, faut imaginer que votre bassin, j'ai les mains propres, c'est une bassine d'eau, ok. Donc, soit vous voulez verser la bassine, donc je l'approche vers l'avant. Soit vous voulez faire en sorte que la bassine elle se verse pas. Donc là, je me mets en antéversion, c'est-à-dire j'essaie de vider ma bassine d'eau, d'accord? Mon bassin. Voilà, le dos bien droit, pas comme ça, ok? Bien droit, je regarde devant et là, je vais tirer. Okay? Et tu bascules ton bassin vers l'avant. Voilà, vers l'avant. Ça. En fait, il faut que tu sentes, voilà, ton bassin, tu le sens comme ça. Il faut que hop, tu bascules pendant que tu tires. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait, t'es mieux devant, je me grandis. Je rétroverse mon bassin et voilà. Et là, vous allez voir, essayez, tiens, essaye. Et tu pareil, tu tiens 40 secondes parce que pareil. Là, en t'éversion. Pourquoi tu penses que tu peux pas?